Français possèdent beaucoup de qualités, mais aussi des défauts. Alors, on va commencer par vous énoncer les qualités. Donc, le Français est un très bon cuisinier. Notre culture est beaucoup reliée à la gastronomie. On a beaucoup de clichés, comme le Français avec sa baguette de pain sous le bras, des viennoiseries, les pâtisseries, mais aussi le bon vin. Chaque région a ses spécialités. Voilà. Le Français est aussi très solidaire, on a une grande solidarité nationale. Mais le Français est aussi innovateur et concepteur. On a beaucoup de grandes entreprises en France. Il peut fournir un vrai travail de qualité. Et il est très cultivé et curieux. Il s'intéresse à la littérature, aux arts, à la peinture, etc. Il fait aussi très attention à son allure. Il fait attention à l'image qu'il reflète. Voilà. Il peut aussi être très exigeant envers les autres, mais aussi envers lui-même. Et il aime beaucoup recevoir. Ok, maintenant, les défauts des Français. Donc, ils sont très râleurs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de contester, de critiquer, de juger les gens, tout ça. Ils font beaucoup de grèves et de manifestations, un peu feignants, ils n'aiment pas trop travailler. Ensuite, ils jugent le physique des gens. Donc, quand on prend les transports en commun, on est toujours jugé, tout ça. Ensuite, ils sont exigeants avec ce qu'ils achètent ou le travail qu'ils font. Et aussi, ils consomment beaucoup d'alcool et de tabac, beaucoup trop.